Bonjour chers frères et chers camarades. Ce matin, Fresco exprime son mécontentement au président Alassane Ouattara. Fresco dit non au troisième mandat du président Alassane Ouattara. De façon pacifique, ce matin, nous avons pris les rues de Fresco pour dire que nous ne voulons plus, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe actuellement à Fresco. Aujourd'hui, Fresco dit non. Fresco réclame ses enfants. Fresco réclame tous ses enfants. Fresco réclame le retour d'Adia Tamabikas. Fresco réclame le retour du ministre Alain Le Voyant. Fresco réclame le retour de tous les exilés politiques. Fresco réclame le retour de tous les acteurs politiques. Fresco réclame et demande le revue de la liste électorale. Nous disons non à toute forme de manipulation. Nous disons non à toute forme de barbarie. Chers frères, c'est la Côte d'Ivoire qui nous appelle ce matin. C'est la Côte d'Ivoire qui appelle ses enfants ce matin. On ne devient pas ivoirien par une nationalité. On est ivoirien parce que par le sang. Quand tu es ivoirien par le sang, tu comprends l'importance de ta nation. Quand tu es ivoirien par le sang, tu comprends l'importance de ton pays. Mon frère, la Côte d'Ivoire t'appelle. Mon frère, tu as l'avenir de tes enfants devant toi. Oui, je parle de toi ce matin. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Je parle de vous ce matin. Prenez toutes les rues. Envahissez toutes les rues pour exprimer votre mécontentement. Envahissez toutes les rues pour dire non. Le président Alassane Ouattara doit respecter la constitution ivoirienne. Le président Alassane Ouattara doit respecter le droit des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara doit nous donner ce qui nous revient. Nous ne sommes pas contre le RADP, mais nous sommes contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Je vais vous passer quelques frères qui vont s'exprimer, qui vont vous dire leur mécontentement. Je suis en direct, tu ne veux pas être dans le direct, je suis en direct. Oh, doucement, libérez là. Oh, libérez. Oh, attendez. Oh, excusez-moi. Le noir de la forêt noire. Noir aussi, c'est très très noir. On dit non au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Ils ne sont pas d'accord avec son troisième mandat. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée d'un groupe. La Côte d'Ivoire est un bien commun. Alors nous ne sommes pas d'accord. Nous disons non à un troisième mandat en Côte d'Ivoire ici. Nous disons non à Alassane Ouattara. C'est la deuxième république qui a donné deux mandats à Alassane Ouattara. Ce n'est pas la troisième république. Alors s'il veut mettre en marche une troisième république, ce n'est pas lui qui doit bénéficier de cette république. Ce n'est pas lui qui doit bénéficier de ça, mais une nouvelle équipe. Alors chers frères, levons-nous là où vous êtes. La Côte d'Ivoire appelle ses enfants. Attends.
Voilà. Nous exprimons ce matin notre mécontentement au gouvernement ivoirien. Nous exprimons ce matin notre, comment dirais-je, nous disons ce matin que nous ne sommes pas d'accord avec un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Gbagbo avait le courage, avait la possibilité de modifier la constitution ivoirienne à sa qui. Bédi avait la possibilité de modifier la constitution ivoirienne à sa guise, mais ils ne l'ont pas fait. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils respectent le peuple ivoirien. Parce qu'ils respectent le droit d'un peuple ivoirien. Ils ne sont pas là pour servir des hommes d'affaires à la tête de notre État. C'est pourquoi ce matin, de façon pacifique, sans détruire, sans casser, nous exprimons notre mécontentement, sans offenser nos amis, sans insulter nos amis, sans injurier nos amis. Ce matin, nous ne sommes pas d'accord. Chers frères, faites comme nous. Là, vous êtes, exprimez votre mécontentement. Ne restez pas dans vos chambres pour crier non, voilà ce qu'Alassane fait. C'est maintenant qu'il faut exprimer son mécontentement. C'est maintenant qu'il faut faire valoir ses droits en Côte d'Ivoire. Ah, ça m'a envoyé. Partagez la vidéo, partagez ce direct dans tous les groupes. Il a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les Burkinabés, les Kula, qui doivent profiter. Mais je vous dis, je dis que c'est faux, c'est archi faux. Il n'y a pas que Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire. On va prendre notre doyen qui va nous passer, qui va nous dire écoutez, ce qu'il ressent ce matin. On va passer ce matin à notre doyen. Cher doyen, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent ce matin? Bon, ce matin, je dis merci à tous les Ivoiriens, plus de paix et de solidarité. Nous sommes comme le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Lui-même, dans le discours à la nation du 6 août, c'était appelé Dramane Ouattara. C'est qu'il avait interdit à la presse. Donc, nous disons que ce matin, Fresco est contre ce troisième mandat. Parce qu'un président ne peut pas se dire le matin, ne se dédie. Deux heures du temps. Donc nous, à Fresco, nous disons que nous sommes contre ce troisième mandat. Et nous demandons à ce moment précis qu'elle libère tous les enfants de Fresco, qu'il fasse rentrer tous les exilés, les enfants de Fresco qui sont encore en exil, en opérant Damana à Diabita. Merci beaucoup. Okay, on va prendre un autre frère qui va s'exprimer. Oui, frère. Alors ça, pardon, t'as trop fait. On a plus besoin de toi. À cause de toi, nous sommes en train de mourir. On a pris le soleil. C'est nous tue. Alors, on a quitté le pouvoir. On va plus vivre, pardon. Ok, merci. Voilà. Ok, il y a un autre frère qui veut s'exprimer ce matin. Je m'appelle Griassen. J'ai dit à mes frères, à mes parents, à Konabeke, Laurent Gbagbo, Soro Diom, j'ai dit à Kakabe, j'ai dit à tous ceux qui sont à l'opposition, d'aider la population. Nous voulons non au troisième mandat de M. Dramane Ouattara. Parce que le nom Alassane Dramane, Alassane Ouattara, nous connaissons Alassane Dramane Ouattara. Il a dit qu'il va plus faire le troisième mandat. Nous disons non. Nos frères qui sont ici, Antia Demane Picasse, qui le libère. Nous disons qu'il fasse un effort. Que M. Alain Le Bonnion quitte en prison.
parce que ce sont des filles du pays. Ils ont le droit de voter. Ils ont le droit de voter. Alain Le Bognon a été membre du gouvernement. Mais pourquoi? C'est à cause de l'injustice qu'Alain Le Bognon a dit aujourd'hui qu'il ne peut plus rester dans le gouvernement de l'Alassane Dramane Ouattara. Donc il le libère. Qui le libère? Qui le libère? Okay, et merci notre beaucoup. Frère allons, a dit à Dramane Pikas qu'il revient au pays. Merci beaucoup. On va prendre un autre doyen qui va nous aussi, qui va ici nous exprimer aussi son mépatentement. Ok, doyen, les gens vont les je suis fier de cette marche. Je dis d'abord merci. Et j'encourage cette jeunesse qui est sortie massivement pour dire non à tout le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Il y a le président, il y a le président de la Côte d'Ivoire qui reste sa parole. La parole que nous avons donnée. C'est pas une marche. Attends, attends. Qui reste sa parole que nous avons donnée. Cette marche est une marche pacifique pour manifester notre mécontentement. On demande à tous ceux dont vous serez sortez pour dire non à ce troisième mandat du président Alassane Ouattara. Parce que nous avons une position que nous devons respecter. Et c'est ça qui fait la valeur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok, mon frère. Mon frère, tu prends une bien. Attends, ok, on a notre frère Ibrahim Bamba, le Tiefari, qui va donner son mot ce matin. Allons-y. Je suis Bamba Ibrahim Tiefari, le agent du racisme. Il faut dire, ce n'est pas une marche du sud, que ce soit à Codier ou Bété, non. Moi, je dis, c'est une fois, il est venu au Wangou. Et je suis là pour réclamer la liberté de nos frères qui sont en prison seulement. Le Bognon, de manière efficace et autre. Et ça va permettre encore à Guillaume Soro et Babou de venir au pays. C'est pourquoi nous marchons, de manière à avoir un sourire. C'est pas être candidat. C'est tout. Merci bien. Bonjour à vous. Ok. Comme vous pouvez le constater, ce matin, chacun exprime son mécontentement. On va prendre une main. Les gens te regardent ici, tout le monde te regarde bien. Il faut dire ton mécontentement, ce que tu n'aimes pas. Il faut dire ce que tu n'aimes pas ce matin. Ok, ce matin, on a aussi nos officiers qui nous interdisent aussi. Vous pouvez le voir, mais avec les mains nues, de façon pacifique. Nous réclamons nos droits. Nous réclamons ce matin la libération de tous nos prisonniers politiques. Ce matin, nous réclamons la justice de tous. Ce matin, nous réclamons le droit de tous. On va prendre ce matin encore. Non, frère Abraham Gota, les gens ont besoin de toi ici, s'il vous plaît. Viens. Je suis en direct. Quel mot tu peux passer à nos amis qui nous suivent? Non, simplement les jeunes là. D'un peuple qui se respecte. Voilà. Un candidat, c'est impossible parce que les tests ne résistent pas. On ne peut pas changer les constitutions comme on change son caleçon, mais comme on change les capotes, qui serait un peu grossier pour préciser. Voilà, donc c'est un peu ça. Okay, donc nous, on dit non. Voilà, de façon la plus catholique, nous disons non à un candidat. C'est pas le seul. Au RDR, il y a des gens là-bas. Oui, oui. Voilà. Ok, on va Sanjo, viens donner ton mot. Tu veux t'exprimer ce matin. Davian, faut dire ce que tu veux dire à Alassane Ouattara. Faut dire les gens vont écouter ce matin. Je dis à Alassane Ouattara, on n'est pas du gay. On ne peut pas le voir sur le pouvoir. Il a démissionné, il n'est pas quitté. On est plus que de lui. Ok, merci. Ce matin, vous pouvez le constater, tous nos frères, on va prendre un petit frère qui va aujourd'hui ici exprimer son mécontentement. Oh, on te regarde. Qu'est-ce que tu dis? Merci. D'ici, la gendarmerie veut nous empêcher de marcher, mais nous connaissons nos droits. L'article du 8 novembre 2016, l'article 20 du 8 novembre 2016 autorise la marche pacifique. L'article du c'est pourquoi? C'est parce que cet article ordonne les marches pacifiques que le RADP, les militants du RADP ont marché pour réclamer un mandat au président Alassane Ouattara. Donc, au nom de ce même article, nous aussi nous allons marcher pour réclamer la liberté de tous les prisonniers politiques. Nous allons marcher pour réclamer le droit de tous ce matin à Fresco. Oui, Fresco n'est pas en marge de cette marche nationale. Fresco dit non au troisième mandat. Fresco n'est pas content. C'est pourquoi Fresco dit ce matin qu'Alassane Ouattara libère tous ses enfants.
phrase qu'on dit ce matin, qu'Alassane Ouattara libère tous ses fils, que les prisonniers politiques reviennent participer aux élections en Côte d'Ivoire. Vous pouvez suivre la manifestation ici. Vous verrez, les gens nous empêchent. La gendarmerie qui est là. Oh, venez, venez. Personne ne va te préférer, on ne va pas te préférer. Merci à vous pour le soutien. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Partagez ce direct. Vous dites que Frasco dit non à un troisième mandat. Partagez ce direct. Vous dites que Frasco dit non à un troisième mandat. Nous n'accepterons pas que les gens violent la constitution de notre pays. Nous n'accepterons pas que les gens viennent nous imposer la loi. Quand ça les arrange, on doit accepter. Quand ça ne les arrange pas, alors ça ne doit pas accepter. Alors nous disons non à ça. Les gens nous suivent. Presque on dit non. Personne ne marche. Voilà, je vous présente le camarade Assatou, Kouadiamou. Nous sommes là pour la libération du président Laurent Gbagbo, de la version de la liste. Ils veulent nous corrompre, ils veulent nous empêcher de marcher. Ils envoient la justice, les gendarmes vers nous. Mais qu'ils sachent que les gendarmes sont en partie du peuple. Ils ont les enfants qui font partie du peuple. Les gendarmes ne sont pas des moutons. Les gendarmes doivent savoir que si nous marchons aujourd'hui, c'est pour qu'ils aient le droit dans l'exercice de leur fonction. Parce qu'il y a la politique qui est rentrée dans notre pays. Il y a la politique qui est aujourd'hui présente au sein de l'armée. Si nous marchons, c'est pour qu'ils puissent avoir leurs droits. Donc la gendarmerie ne va pas nous empêcher de marcher ce matin. Nous dirons non au troisième mandat en Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas le seul pétiste du pays. Il n'est pas le seul intellectuel du pays. La Côte d'Ivoire a connu des élites. La Côte a connu d'un président sans qu'il n'était à Côte d'Ivoire. C'est hier, il arrivait ici. Alors, il ne pourra pas nous empêcher de manifester. Les Corabiens ne vont pas nous empêcher de manifester. Partagez ce direct, partagez cette vidéo. Je vous remercie. Ils veulent nous distraire, ils envoient les plaisanteries RADP de Frasco. Ils vont corrompre la gendarmerie pour nous empêcher de marcher. Parce que Ouattara va appeler Legré pour lui dire que hey, tu n'as pas dit ton village, ils étaient à ça pour ça RADP. Pourquoi les gens marchent pour dire qu'ils ne veulent pas ma candidature? Alors pour cela, ils sont prêts à faire n'importe quoi et nous irons jusqu'au bout. Arrêtez, attendez. Oh, viens ici. Recule, viens. Ah, c'est mon pays, oh. Maxime, c'est mon pays, oh.
partager ce direct pour que nous les autres sachent qu'à Fresco, nous ne sommes pas pressés du lancieux. Pour que les gens sachent qu'à Fresco, nous ne sommes pas purement RADP. 99% de la population de Fresco ne sont pas RADP. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous mentir. À Fresco, il n'y a pas de RADP. Merci. On okoi. Je suis avec mon poignet. Chef Mas, mes respects. C'est mon poignet. Continuez de partager. Le drapeau de la nation. On okoi. N'acceptez pas qu'on vous crache là-dessus, chers frères. N'acceptez pas qu'on vous manipule. N'acceptez pas qu'on vous insulte. N'acceptez pas qu'on insulte votre intelligence. N'acceptez pas qu'on détruise l'avenir de vos enfants. Oui, je vous le dis. Vous le connaissez, c'est le camarade Azatou. Voilà. Boka. Aïe, prélé. Merci pour votre soutien. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée. Et personne n'a le monopole de la violence. Je vous dis, ne vous laissez pas influencer. On dit non. On okoi.
nous empêche de manifester. Il nous empêche d'exprimer nos droits. Oh, l'article 20 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 stipule que nous avons droit à manifester pour exprimer de façon pacifique nos mécontentements. Nous avons le droit, c'est ce même droit. C'est ce même droit, les militants du RADP ont eu pour manifester. Nous avons droit à manifester. On est suivi par 1000 personnes. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Ivoiriens. Et nous voulons que le président respecte la Constitution. Je vais vous demander, comme un seul homme, ensemble, apprêtez-vous, parce que pour le respect de la nation pour laquelle nous marchons, je vais vous inviter à chanter l'hymne national, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance. Nous bâtirons dans le bonheur, Pierre
les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la main, ramenez la liberté, notre devoir sera même. Le promis à l'humanité, en forgeant l'unité dans la foi nouvelle, la partie de la vraie fraternité. Chez caméra, s'il vous plaît. Je voudrais vous saluer, je voudrais dire, vous dire merci. Il faut applaudir la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que la police de la gendarmerie a pour première mission de défendre les Ivoiriens que nous sommes. La gendarmerie n'est pas ici pour vous arrêter. La gendarmerie sera là et je pense qu'elle va faire le travail de la nation ivoirienne. Vous le faites à la bête. Nous allons dire à la salle de Mme Ouattara, qui n'est pas candidat à Fresno et qui doit respecter sa parole donnée. Je veux parler au représentant du président qui est ici à Fresno, le préfet. Il dit qu'il veut me parler. Restez serein, restez serein. Si je ne vais pas de 15 minutes, vous serez là-bas. Avance. Merci, mettez le son. Non, 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 Je vais te filmer dessus.